It's insulting to see our gods being paraded as commodities to be kept in swimming pools and bedrooms of the rich and the famous in Europe and America. C'est avec fierté que nous constatons que nos inlassables efforts commencent à porter leurs fruits. Le Premier ministre Narendra Modi a fait du retour de nos idoles et de nos antiquités l'une de ses priorités à chaque fois qu'il se déplace à l'étranger. This is a sculpture of a standing Buddha from Gaya, and after a long deliberations, we got it back from America. Cela fait bien trop longtemps que ce scandale d'envoyer illégalement des statues en dehors de l'Inde perdure. L'histoire a montré que des rois perses, déjà à l'époque, s'en sont appropriés. Et bien entendu, sous l'Empire britannique, de nombreuses antiquités ont été exportées vers l'Angleterre. Ces deux petits trous sont utilisés pour attacher les idoles à un pupitre pour qu'elles ne tombent pas durant une procession. Cela ne peut être vu que sur les idoles gardées dans des temples indiens, jamais sur des statues qui trônent chez un particulier. Ils n'hésitent pas à enterrer les statues ou les peintures pour les cacher. En général, les voleurs font ça pour les faire sortir clandestinement plus tard, pendant un an ou deux, le temps que la pièce prenne de la valeur. Une fois qu'ils estiment avoir un bon prix, ils les déterrent, les vendent à l'étranger et en tirent un bon bénéfice. This is how we do the matching work. So this is a photograph which our friends took it from the gallery, and this is from the French Institute Pondicherry's photograph. We went and plotted every single brick, so there was 100% proof that it was the same object. This bronze
is in Christie's sale, there is no paperwork to show how it was legally exported out of India, acquired from C.T. Lou. We know C.T. Lou today that he was predominantly a smuggler. If you don't take care of it, I think in a couple of decades, if you want to see the best of Indian art, you'll have to buy a ticket, go to the British Museum, buy an entrance ticket and go, which is unfair. And I think it's grossly unfair to the original creators. The original creators never intended them to be pieces of art. They were meant for worship. They were meant for prayer. They were meant to be gods of an abode that was created for that purpose. No amount of special lighting, aircon, temperature control will mimic the dim, incense-smelling light of a small temple.